va sortir là. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Allez, on y va. Allez. Soyez les bienvenus au bâtiment 40. Ça y est, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais parler avec elle. Allez, on y va. Aja. Assalamu alaikum. Ça va? Voilà. Voilà, regarde. Regarde la salle de bain dans quoi ils vivent. Voilà, catastrophique. Et puis ça coule. Hein? Voilà. Eh oui. Vous voyez les filtrations d'eau, voilà, c'est la filtration d'eau. Et en plus, ça date pas d'aujourd'hui. Mais hein? C'est pas d'aujourd'hui. Hein? Regarde, tu le vois. C'est catastrophique. Regarde les champignons, il y a tout. Hein? De quoi attraper des maladies. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Ce côté-là, surtout voilà, ce côté-là. Voilà. Regarde. On va voir le devant de la Kassana. Voilà, donc est-ce que la VMC, elle marche là? Elle marche la VMC? Elle ne l'a pas réglée. Elle marche? Non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Non, regardez, je le pose. Il doit être aspiré, non. Ça ne voilà. Date pas d'aujourd'hui. Tant qu'ils ont pas fait des années, voilà. Des années. Ça fait des années. Ça fait des années. On est là depuis 2002, ça... depuis 2003, 2004. À peu près, oui. Voilà, c'est ça. 2003, 2004 aussi. On était là et puis on a changé de chambre parce que l'eau coulait sous... Sous le mur. Sous la cloison. D'accord. Et est-ce que vous avez alerté votre bailleur? Votre bailleur, c'est qui? Moi-même, je l'ai alerté peut-être 3 ou 4 fois. Moi-même. N'en parlons pas, son mari, il est parti avec moi 3 ou 4 fois aussi. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre bailleur, c'est qui? Inutile. Donc, ici, on est chez Ex-Nouvelle HLM. Avant, c'était SNHM, mais maintenant, c'est le groupe Unicil. Unicil, le syndic. C'est pas la question qu'ils sont méchants. C'est la question s'ils veulent gagner du temps. Oui, c'est t'as tout. Raison. Temps. Ils nient. Ouais. Ils disent, bon, c'est pas nous, débrouillez-vous avec l'assurance. L'assurance, elle veut pas. Ils disent, tant que le locataire d'en haut, il n'a pas réparé, nous, on n'intervient pas. Et je suis resté ballotté entre l'assurance et... Et le bailleur. Mais le locataire du haut, qu'est-ce qu'il a comme situation? Il a essayé de réparer une fois, mais l'eau, elle continue à descendre. Et l'assurance du locataire du dessus, qu'est-ce qu'ils disent? On a fait des constats, mais mon assurance ne veut pas accepter. Elle dit, tant qu'il ne l'a pas réparé, on ne peut rien faire. À vrai dire, tant que le bailleur ne répare pas... S'il répare, il va encore refaire... Voilà. C'est le bailleur qui doit réparer normalement. On dit Unicil. Unicil, c'est le bailleur. C'est le bailleur. Et à l'origine, Unicil, c'est le syndic. C'est le syndic, c'est lui. C'est lui qui commande tous les autres bailleurs. Il y a eu des dégâts des eaux, répétés. On a retravaillé, on a refait les travaux. Nous-mêmes, on a refait, et ça revient. Voilà. Et du coup, mais quand vous allez à Unicil, on vous répond, vous voyez avec votre assurance. C'est pas nous, c'est l'assurance. Débrouillez-vous avec l'assurance. On vous donne un constat, vas-y, remplissez le constat, envoyez l'assurance. L'assurance, elle ne veut plus. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est la gymnastique. Ah. Je suis opéré du cœur, je suis à cœur ouvert. Elle est récente, l'opération. Si vous voyez comment je fais pour me prendre un bain, c'est... Oui, ouais, c'est que tu es mal immunisé. À l'indonésienne, voilà. Est-ce que votre bâtiment, il a été concerné par la légionellose? Ça fait le 18 décembre dernier. Oui, ils sont venus, ils ont fait les prélèvements chez moi. Ils ont constaté qu'il y a la bactérie avec un taux très très élevé. Très élevé, oui. Voilà. C'est le plus élevé chez vous. Sur le bâtiment 40. 40, oui, exactement. On se trouve actuellement. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Nous, on ne boit pas l'eau du robinet depuis... On n'a que de l'eau minérale. Depuis des années. Des années. Hein. Ah, la majorité ici, la majorité des habitants, ils boivent de l'eau minérale. Ils ont peur. Mais... On vous montre... Est-ce que... Jusqu'à quand? Stop, ouais. Jusqu'à quand ça va durer?
Ils croient que les gens sont des animaux des ici. Animaux ici. Mais maintenant, ça, la mentalité a changé. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, c'est fini avec eux. On n'a plus confiance en eux. C'est vrai. C'est fini. On va mettre les gilets jaunes. Et... Ouais. C'est trop, on en a marre. C'est vrai, on c'est dit trop. Ça. Hein. Voilà. Avec qui ouais. On a dit Herbel, les gilets jaunes, on va faire. Ouais, ouais. Tu vois comment ça va bouger. Et ça serait bien de le faire. Hein. Ouais. La parole, ça serait bien de le faire.